Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le 11e épisode de notre Let's Play sur Pokémon version Salty Platinum. Alors, avant de démarrer, je voulais juste faire un petit récapitulatif des quelques soucis techniques que j'ai eus sur les précédentes vidéos. Notamment, vous l'avez sûrement remarqué au niveau du son et de la voix. Et ben, c'est qu'en fait, le micro n'arrivait plus à être capté par mon enregistreur, ce qui fait que ben, je n'ai pas la voix et le son sur les précédentes vidéos. Voilà, je tenais à m'excuser de ce petit incident technique, mais bon, je pense que de toute façon la vidéo se voit bien, c'est vraiment assez fluide. Donc, pour les quelques vidéos que j'ai tournées un peu en avance et où j'ai eu ces soucis techniques, où il n'y avait exceptionnellement pas de son de voix ni de son de jeu. Bon, j'aurais à profiter de l'aventure sans ma voix pour une fois. Je m'en excuse encore une fois. En tout cas, j'ai essayé de rectifier le YouTube à ma part. Je ne sais pas qu'il arrive parfois qu'on ait des petits tracas techniques. Mais je vous promets que tout ça s'arrangera. Apparemment, le son de ma voix a l'air de passer. Le son du jeu, je viens de le rectifier à l'instant. Vous me direz du coup, enfin, on verra ce que ça donne par la suite. Alors vu qu'on est finalement arrivé à Voilaroque, on a enfin tenté le premier défi d'arène, puisque jusque-là on n'avait fait aucune arène, hein, le scénario du jeu n'avait pas voulu qu'on fasse d'arène. Donc là on va se débarrasser des dresseurs qui restent dans l'arène, et ensuite, ah ouais, avec ce fameux colossinge qui nous avait cassé la gueule, littéralement. Alors, faudrait anticiper l'attaque de type combat, hein, évidemment. Bon bah là, avec la vantardise, il est mort. Chapignon. Est-ce que ça vaut le coup? Mais on va mettre nos sphères à tour. Du coup, j'ai XP un petit peu la team, hein, évidemment, puisque la dernière fois, elle était un petit peu bas niveau. On est pratiquement niveau 40. Enfin, on est niveau 40. On est qu'à la première arène, donc ça vous donne un peu le level du jeu, hein. C'est pour vous dire qu'on fera la dernière arène au niveau 100, quoi, clairement. Ok, lui on l'a battu. Il y a lui. Ils sont 4 en 5, quoi, tu vois. Il a une double résistance combat. Comme il s'est baissé ses stats. Hop! Ça, et de 1, Capoeira. Intimidation. Ah bah oui, bluff sur un Pokémon avec attention. Ça ne marche pas, mon ami. C'est vrai qu'il a de l'attention, mon Assurato. Ça marche assez rarement, mais parfois ça marche quand même. Bon, il a fait le taf, on va pas lui en demander plus. Et derrière, on va finir le kick. Ok, jusque-là, ça passe. Il reste un dresseur. Il a... Ok. Et après, on fait le petit jeu d'arène. Oh, le Scarino. Wow, on va mourir. On a tanké. C'était pas stab... Ouais, c'était pas ça, c'était pas stabé. C'est pour ça. Tartare, par contre, c'est plus compliqué. Allez, on va venir avec Félindra, du coup. Il va tenter de mettre les hypnose, évidemment. Ça faisait longtemps, des Pokémon qui veulent m'endormir pour la vie, hein. On va tenter d'affaiblir le... Merde. J'ai failli. Oh. Réveil instant. Oh, on a tanké. Incroyable. C'est un phare, mais quand même. Bon, on a vaincu les dresseurs. C'est déjà ça.
Bah, du coup. Donc en fait, il faut bouger les sacs comme ça. Les sacs de sable sur les pneus. Mais je suis déjà... Moi, je suis bloqué là. Non. Sérieux, je me suis bloqué. Non. Attends, hop. Vous pouvez pas le pousser plus. On le note d'abord. Ah oui, d'accord, je vois le genre. Celui-là. Alors, comment est-ce qu'on fait pour celui qui est au-dessus? Je pense qu'en fait qu'il faut aller chercher un autre sac de sable. Non, parce que tu peux pas passer. Ah, celui-là, je vois pas comment l'atteindre. Alors là, le coup. Je pense qu'on a réussi. Ouais, on a réussi. Oh, ils ont remplacé Mélina par Arfredo. C'est qui ça? Ce sera compatible sous le combat. Hein. C'est quoi? J'aime bien, commençons. Ok. Corentin, c'est qui ça? Terra! Oh! D'accord. Ok, il crit. Oh, très Dieu, il crit. Il est niveau 40, putain. Niveau 40, le Pokémon. Oh la vache. Ah, c'est un peu énorme, hein. Oh la vache. Ah, ça fait mal, hein. Oh putain, ça fait mal. Comment est-ce que je... Attends, on va essayer de le gérer, ce Pokémon-là. Je vais essayer de balancer des... Oh, il a effort. Oh, putain. Ah, c'est mort, hein, c'est mort, les... Je me fais casser la gueule par un putain de Terra. J'ai tenté de placer des plénitudes. Oh non, mais il fait trop mal. Il fait trop mal. Il fait trop mal, ce Pokémon. Ah non, c'est quoi ces dégâts, wesh? Oh, il m'a... Il m'a prise en plus! Il m'a prise, ce putain de bâtard de merde! Ah la vache! Ah mais c'est pas un combat ça, ouais! Le premier Pokémon du jeu du match me casse la gueule! Ah c'est bon, je l'ai tué au bout de 1000 tours! Quel enfer! Ah Yann Méga! Alors là, pour le coup... Là, c'est un petit peu compliqué, hein, on va pas se mentir. C'est perdu, évidemment. Oh là 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 là. Alors là, pour le coup, j'étais pas prêt, hein. J'étais pas prêt là, j'étais loin d'être à la hauteur de ce genre de combat. On va s'entraîner, hein. Aïe aïe aïe, c'est quoi ce combat? T'es sérieux? Pourtant, ils sont pas au level, mais...
Il suffit d'un écart de 1 ou 2 niveaux. Bah, les Pokémon sont trop forts. Hein. Je peux rien faire. Bah, c'est pas grave. Alors, Kirlia. Ah, Bouclès. Ça l'affecte pas. Wesh. Oh, il est psy ténèbres. Il est psy ténèbres, ce Pokémon. Putain. Oh, il a tanké le vampirisme. Il est niveau 35, putain. Girafarig. Oh putain, mais c'est quoi ces dégâts de l'enfer, wesh. Allez, séisme sur ce truc. Oh non, non. Ça fait tellement mal. Alors, attends. Je me suis fait défoncer sur un seul combat. Hein. J'essaie de mieux jouer hein. Par même. Je veux dire que même des dresseurs standards, hein, c'est pas à prendre à la rigolade. Ok, bon, c'est pas grave. C'est bien, c'est du vrai challenge. Ça, pour le coup, c'est en plus un challenge très bien équilibré. Ça t'incite à XP à entraîner les Pokémon quand il le faut, où il le faut. Ah non, bien fait. Je suis admiratif. Alors, au 214, du coup. Tiens, lui. Je reste à l'observatif favorable. Ah. Cryopiqueur. Il est passé ici. Lui, on l'a battu. Max repousse. Ok. Oh, le Kangourex qui fait peur. Ouais, c'est qu'un putain de Kangourex. Oh, il fait pas très mal. Il fait pas extrêmement mal. KFC Lidl peut venir sur ça. Ah, oh, putain! Mais le axe de merde! C'est chier! Ah, putain! C'est pas possible ça, on est marre du axe en permanence. Pourquoi j'ai mis Jesus Gotch? J'ai pas d'appel glace sur ce poké. Oh non. Oh, il a tanké l'autre opus! Putain! C'est cool ça! Ah! Avaltou, allez, on va mettre un Sferalto sur Avaltou. Niveau 34, s'il te plaît. Plaquage, bon, lui fait 0, hein, pour le coup. Ouais. Allez, au revoir. À demain, surtout. Il a toujours pas évolué en os enfer, hein, ce Pokémon. Allez. Chez Diesel. Il a une double faiblesse au team vol. Il fait croissance. Alors, mais par contre. Ce Pokémon fait vraiment des dégâts de fiottes. Merde. Ah, mais arrête d'utiliser synthèse! Wesh! Non, ça n'a que 5 points de puissance après, donc il aurait.
À un moment donné, ça se serait épuisé, mais bon. Allez, next. Go, le combat suivant, avec Kamabra, du coup. Ça va, protection sur Kamabra. Il frappe Atlas. Hypnomade. Alors, dis-moi que je peux mettre Félindra sur Hypnomade, s'il te plaît. Ouais, Machou, du coup, on va tester le nouveau stab. Mais arrête! Putain, le axe partout! Empoisonner tout le temps, endormir tout le temps. Votre vie, c'est le axe, hein. Clairement. C'est pas possible, ça. Aïe, 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 les gens. Ça, c'est chiant. Aïe, next. Voltali. Alors, dis-moi que je peux mettre Frolic sur Voltali. Oh, il a peut-être ballon, moi. Non, il a fait vive attaque. Oh là là. Putain, le bug de ce Pokémon. C'est mort. On va lui mettre des petits dégâts. Ah, il est dépassé ce truc. Comment ça fait péter la tête là. Oh, j'aurais dû mettre Frolic. Bon, c'est pas grave. Ok, il est mort lui. Et il va me sortir à bas le Voltali. Et Frolic est là. Ouais, il avait pas ballon, hein. Heureusement. Heureusement, surtout qu'il avait pas ballon. Oh non. Mais punaise, j'ai. Mais c'est mignon, please. Appelle pas la police pour propos pédophiles, il a 11 ans. Oh, ok. Je ne sais pas quoi dire, honnêtement. Non. Mais comment tu veux que je passe ce Pokémon? Bah, je sais, pour 4 dégâts par attaque. Bon, le 6. Ah merde! Fais chier! Je suis fait l'attaque! Ah, il n'y avait qu'un Pokémon, heureusement. Allez. On y croit jusqu'au bout. On ne lâche rien. Allez, Anorith. Anorith, pistolet à eau. Hein, qui inflige 3 dégâts. Hein. On commence à être bien. Hop, on tue. Ah, mais par rapport au niveau de l'arène, c'est un peu compliqué. J'essaye, hein, pourtant, j'essaye. Alors attends. Oh, ouais, c'est mort. Hein. C'est vraiment mort. Je vais tenter des plénitudes. Ouais, si j'arrive à setup un Pokémon, c'est peut-être moins pire. Oh, il a fait Recuilla, c'est vraiment des bâtards. Hein. Ah, il est mort, c'est bon. Ok, niveau 42. La roche chaude. Ah, si j'ai un Pokémon qui a sécheresse, pourquoi pas. Le bandeau choix! Oh, bah tiens. Pour le coup, le bandeau choix. À qui on le donnerait le bandeau choix? On le donnerait peut-être à Nosferatu. Félindran, pas vraiment. Donc en vrai, Félindra, ouais, il y a qu'à l'éclair. Ouais, Frolic. Frolic bande au choix. Honnête. Ouais, c'est pas mono combat, hein. Ok, Frolic. Tu l'as pris ou pas? Ah, je lui avais donné le lentiscope.
Ah, Cold Shop, tiens. Ok, bon. Si tu veux. On va déjà ça va, on a récupéré un petit peu de sous. On va peut-être pouvoir faire un petit, petite séance d'entraînement encore, puisqu'on a des petites séances de chargage de Vénard. Elle va appeler les arènes. Allez. J'ai peut-être une stratégie pour passer le mec. Mais pour ça, moi je suis toujours plein de ressources. Moi j'abandonne jamais, moi. Ah, ça me motive énormément, vous n'avez pas l'idée. Encore que les dégâts, ça n'a pas d'importance. Par contre, c'est limite un 3 le vénard quand même. Après, si j'avais d'autres chances, ce serait pas mal. Effectivement. J'ai galéré pour prendre un seul niveau. Donc, et au 43, pouvoir lunaire, merci! Merci pour pouvoir lunaire, alors ça. Et du coup, eh bien, officiellement, je le dis. Alors attends, où est-ce qu'il est l'item? D'accord. On évolue, Mélofée, c'est bon. Le reste, on l'apprendra par CT ou autre chose. Notre Jesus God qui a enfin atteint son apogée, il est. Oh, il a perdu garde magique! Oh non, il a perdu. Pourquoi il a changé comme ça? C'est pas logique, c'est pas normal ça. Ah non, inconscient, c'est pas ouf. C'est pas ouf, inconscient, putain! Mais non, mais garde magique, wesh! Garde magique, c'était sans problème. Et je sais pas pourquoi il change de talent comme ça? Il avait clairement pas changé de talent. C'est pas possible ça. Ah, je suis déçu. Je suis profondément déçu là. On va continuer à XP un petit peu. Ah, franchement, je suis un petit peu déçu. Ouais, j'avoue. C'est vrai qu'il a une meilleure attaque de type combat, lui. C'est très juste là, putain. Alors, retiens. Avec point de feu stabé, ça fait plus mal que deux double pieds stabés parce que c'est pas super efficace. Moi ils ont pas changé hein, la puissance des double pieds. On a pas joué. Ça fait 90 de puissance. Alors, est-ce qu'on peut essayer de se faire le mec de l'arène? Ou sur le temps de la prochaine fois, non? Alors, attendez. On va se prendre des petites super potions, voilà, ça devrait être pas mal.
Allez, go. Je vais te soigner, hein. Ouais. Ok, on va essayer de setup le. De setup le Melodelph. Sauf qu'en vrai, il va avoir du mal à tanker les coups, hein. Allez, ça va être très dur, hein. On n'est pas assez haut, on n'est pas assez bon. Je pense qu'on va s'entraîner encore un petit peu, le mec, hein. Bah, c'est vraiment juste. C'est trop trop juste. Allez, encore un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Allez. Hop là, 43. Peut-être encore un peu. Après, je vais pas avoir beaucoup de RSA pour gagner de la thune, hein. Je vais ça. Là, je crois qu'il est-ce qu'il demande à recharger des pas dans cette version? Charge VS. Je sais pas du tout si je suis à la hauteur. On va continuer à s'entraîner un petit peu. Là, je suis pas sûr de mon coup là. Clairement pas. Allez, hop.
Niveau 46. Mmh. Bedouille. Non, comment je comme un autre. Et oui, oh, et vol, ça va bien ensemble. Hein. Aussi. Bah, en vrai, si tu regardes les stats de ce Pokémon, il est rigide surtout. Bah, il a 83 en attaque, 80 en attaque spéciale. Il a plus d'attaque physique que d'attaque spéciale grâce à Rigide. Donc, quelque part. Voilà. Mais ça, je dis rien. Voilà, je suis vraiment pas sûr de mon coup. Et il a toujours pas évolué, Félinor. Hein. On va essayer de le mettre niveau 40. Comme ça, parce que c'est qu'il soit pas niveau 40. Allez. C'est la petite dernière pour la fin. Hop, niveau 40. Go. Ah, il évolue. Franchement. Ça sert pas à grand chose d'avoir augmenté d'évolution. C'est pour faire. C'est pour donner du challenge, oui, je sais. Là, honnêtement, pour ça, ce genre de choses, il n'y a pas vraiment de challenge. Ensuite. Mais faut se retaper tout le truc. C'est horrible. Non! Je suis en train de regarder les produits qui me fail en permanence. Ah, en vrai, le look serait Bordeaux choix. Je pense que ça peut faire assez mal. Hein. Là, par contre, on a moyen de faire de bons petits dégâts. Je vais avoir un Choice Vent KGP. Là, tu me diras, étincelle, ça peut pas. Hein. C'est pas très grave. Alors attends. Allez, s'il te plaît, passe-moi ce truc. Allez, c'est parti! Donc le Ptera du coup, il va forcément le dépasser, mais... Ah, les dégâts sont différents. Les dégâts sont différents. Ah, il a que... Il a une cuillère par potion et il est mort, il n'a pas vu son Ptera. Yann Méga. Je pense que Yann Méga, on gère. Et il me dépasse. Ok. Il a sûrement turbo, non? C'est quoi ce Yann Méga, wesh?
Ah là, putain, c'est pas vrai, mais il a toujours une attaque pour me casser la gueule, c'est infernal ça. Bon bah écoute, hein. Oh non, c'est quoi ces dégâts? Oh, ça fait mal de ouf. Oh, mais c'est pas des dégâts ça, wesh. Je suis à plus 2 en spédef. Je vais récupérer tes points de vie. Allez, fais en sorceler pour tuer. Mais si tu es... Ah, il avait l'orbe vie! Il avait l'orbe vie depuis le début, j'avais pas fait gaffe. Oh, Scorvol. Putain, il a direct toxique et il m'a empoisonné, putain! Mais c'est pas possible, ce jeu! Oh, putain! Oh, il va avoir Aquajet! 100%, il a Aquajet! Ah non, il a... What? Il n'a pas fait Aquajet! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, Colomar, qu'est-ce que tu casses tes couilles, là? Oh, Dimoré, mais je le passe pas, Dimoré. Oh. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ce Pokémon, wesh? Par contre, lui, il a... Allez, c'est un bon compte, par contre, à ce Poké... Mais pourquoi qu'il a coup critique? Oh putain, mais c'est pas possible! Ah, il a coup critique, mais c'est quoi cette merde? Et c'est quoi ce bug de Dimoré qui tente des griffes? Bon, ça sert. Wesh, je me suis entraîné pourtant. Oh. Et je me suis fait casser la gueule encore. Voilà, oh, t'es le massacre, hein. Je pense que c'est clair et net. Je vais continuer à m'entraîner, hein. Là, je pense que j'ai pas trop. Je vais, on va dire, encore augmenter un peu le niveau. Mes Pokémon, et par la suite, cette fois, je pense, on n'est pas loin en vrai de la vérité, hein. On a mieux géré qu'avant. Mais, c'est dur, hein. C'est pas évident du tout. Clairement. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Encore une fois, désolé pour les petits incidents techniques des vidéos précédentes. Donc, il restera encore 2-3 vidéos comme ça. Et après, ça repartira normalement à partir de celle-ci, qui arrivera prochainement, normalement. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.